Salut tout le monde, c'est Demon Slash. On se retrouve tout simplement aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu UEBS qui est écrit en gros maintenant Ultimate Epic Battle Simulator. Donc je voulais commencer sur l'interface tout simplement pour vous annoncer quelque chose et aussi pour vous montrer les niveaux, parce que moi c'est un moment que j'ai pas tourné sur ce jeu. Comme vous pouvez l'entendre, normalement on entend beaucoup mieux mon son et beaucoup moins le son de fond. Ah, vraiment beaucoup moins, parce que du coup je vais régler le problème avec avec la musique, ça va couvrir normalement. Là peut-être que vous entendez, mais en jeu ça va couvrir, donc même il y aura beaucoup moins. C'est vrai qu'avant le PC soufflait tellement fort qu'on entendait très fort. Maintenant j'ai baissé le son, du coup ce qui a permis de baisser le volume de fond, donc clairement c'est beaucoup mieux. Voilà, donc là c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose, donc les UEBS, je vois que ça vous plaît toujours autant. Voilà, toujours des gens qui regardent vraiment, qui mettent des commentaires, tout ça. N'hésitez pas, hein, clairement. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires dans nos vidéos. Ça permet de nous voir un petit peu vos remarques, tout ça. S'il y a des choses à améliorer, des choses comme ça, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez également aussi liker, hein, la vidéo si vous aimez, bien entendu. Hein, faut quand même regarder la vidéo pour aimer, bien entendu. Ensuite. Ce que je voulais vous dire, c'est que les UEBS, je vais en faire un petit peu moins. Je pense que je vais commencer à en faire même beaucoup moins par rapport à ce qu'il y avait là en ce moment. Ça sortira dans pas si longtemps que ça, je pense. On sera déjà en 2018, parce que moi je tourne ça avant 2018. Donc voilà. Je voulais vous dire ça, que sinon il y en aura beaucoup moins. Il y aura d'autres détentes, différentes détentes, on varie un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop d'UEBS en détente en ce moment. Donc on varie un petit peu, on va varier, c'est ce qu'on a déjà prévu. Et puis toujours, il y aura toujours du EBS, mais beaucoup moins. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc l'interface a totalement changé. Moi, ça fait un moment que je suis pas revenu dessus, et là je vois qu'ils ont changé l'écriture, déjà elle est plus belle. Ils ont écrit de différentes couleurs, donc l'image de fond est toujours la même. Donc sandbox, sans doute ça doit être le sandbox. Il y a les workshop mode, donc ça je sais pas ce que c'est. FPS invasion. Allez, ok, je sais pas ce que c'est. Start battle. On va aller voir, on va tester ce que c'est. Mad Jungle Island. D'accord. Donc je sais pas du tout ce que c'est. C'est un tout nouveau truc ça. Workshop mode. Bah comme on s'en doute, c'est on avait déjà vu, c'était les modes. Donc depuis le temps, je pense qu'on aura rajouté des nouveaux. Et on va pas s'attarder là-dessus, parce que justement les modes, je trouvais que c'était un peu trop répétitif, parce que justement vous avez toujours les mêmes. Vous avez juste des. Bon voilà, ça va être what the fuck, ça c'est une croix qui bouge. Ouais, vous voyez, c'est des trucs comme ça en fait. C'est vraiment, vous allez voir toujours les mêmes, vous allez voir différents personnages, mais avec les mêmes attaques. C'est ça le problème, c'est que les attaques sont pas variées en fait. Vous allez voir toujours les mêmes trucs. Là c'est un peu dommage. C'est pour ça que les modes, je trouve ça marrant, mais c'est juste les persos qui changent quoi. C'est juste les niveaux de combat, c'est la même chose, après ils ont pas la même vie, machin. Mais voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Celui-là on les avait déjà mis. Donc clairement ils n'ont pas rajouté depuis. On a mis ceux qui ne buguaient pas. Bon, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas rajouté. Alors aussi à part la cinquième, je sais pas s'il y avait la cinquième. Ils ont rajouté ça. On va pas l'utiliser aujourd'hui. Donc on va essayer de faire ce FPS invasion. Et je voulais voir un petit peu aussi les nouveautés qu'il y avait dans. C'est quoi ça déjà? Ah oui, ça c'est les modes. Ouais, c'est les modes. Ok, donc nous on va regarder un petit peu ce qu'ils ont rajouté de nouveau dans. Sans mode. Donc on va faire un peu le tour. Donc ça, il y avait déjà tout ça. Et après on fera l'espèce de mode FPS. Là. Voilà. Donc là, Eleven Hunter, il y avait déjà Soul. Donc il y avait déjà tout ça. Parce que j'ai vu qu'ils avaient fait une grosse mise à jour, donc je pense que c'était celle-là, je pense, avec les FPS, machin. Ok, donc ça n'a pas bougé ici. Runner, Skeleton, on l'avait déjà. Ancien Grace. On avait déjà tout ça, ok. Ça a vraiment pas bougé en fait. En fantasy, Dwarvian, ok, on avait déjà tout ça. Clairement, ils ont pas fait grand chose en fait. Kangourou, Tortue, on avait déjà tout ça, pareil, direct. Ah, c'est un peu dommage ça, je suis un peu déçu là. Santa, donc pour la même chose en festive. Inanimate, donc c'est tout ce qui est les tables, tout ça, bon, on avait déjà la même chose. Ok, ça a pas bougé. Ça. Tornado Trooper, ça on avait déjà aussi je crois, donc ça va bouger non plus. Donc les modèles et les custom, donc ok, il n'y a rien qu'à bouger.
Juste peut-être les modes qui sont peut-être rajoutés à la cinquième page, je sais plus s'il y en avait jusqu'à 5. Donc on va faire ça parce qu'ils ont rajouté ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Startle Battle, allez c'est parti. Donc je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas comment ça se passe. Comme je vous le dis, je viens de lancer le jeu maintenant. Donc on verra bien ce que ça vaut. Donc la vidéo elle durera peut-être un peu plus longtemps que d'habitude, on est déjà à 5 minutes. Peut-être 20, 25 minutes je pense, je sais rien trop. Rien en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, voilà, ça c'est sûr. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, niveau nouveautés ils en font pas tellement que ça, donc c'est pour ça l'UBS je préfère me calmer un petit peu sur ça parce qu'on a déjà fait le tour en fait. En gros on a fait le tour, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on a fait le tour et c'est nouveau. Quand il y a des grosses nouveautés ou des choses comme ça, je vous ferai des petites vidéos dessus. Voilà, pour l'instant voilà, il n'y a que ça qui a d'accord. Donc, ah d'accord, c'est des rounds, ok. Là déjà, voilà, donc ça lag toujours, hein. Ici ça lag toujours, on sait, dès le début ça lag toujours. Par contre là c'est la forêt, c'est un peu chiant. Ok, donc là ça lag toujours, hein. Dès le début, les cinématiques comme ça c'est un peu chiant. Bah, j'aimerais bien le passer mais on peut pas. On peut pas, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, donc là on a des unités, ouais, super, bravo. Qu'est-ce qu'on fait avec ces unités là? Donc, ok, donc, ah ok, d'accord, en fait on a 5 soldats, il y a des zombies, ils doivent tuer 100 zombies, c'est ça? Mais on fait quoi là-dedans? Je comprends pas, on va voir. Oh, on a un soldat. Eh, hey, regardez, il y a un nouveau truc, on peut viser. C'est cool ça. On est un soldat. Donc là, ils vont avoir 100 zombies qui vont arriver. D'accord, on doit survivre. En gros, c'est des rounds. Ah, c'est sympa ça. Bon, bah, je vous mets derrière vous, les gars. Non, je déconne. On a 1000 vies, ok. Alors, faut faire gaffe parce que les zombies, faut pas rester trop loin d'eux. Parce que les zombies, ils sont. Il y en a 51 là. Je crois que je les entends. Les zombies sont très rapides. Les voilà. Mec, ils sont rouges, les bordels. Ah, ils sont pas très rapides en fait, ceux-là. Ah, l'assaut! Eh, c'est original comme mode, ça. Carrément, c'est marrant. Donc on peut viser maintenant, ça c'est original. Par contre, des mecs, vite! Ah merde, c'est vrai. C'est vrai que moi je suis en mode... du coup c'est vrai que c'est un peu chiant. Bon, un peu rien avec ces mitraillettes qui... Ce qui est bien c'est qu'on a les balles infinies. Oh putain! Vas-y les mecs, tirez! Faut pas qu'ils se fassent tuer. Parce que si on garde les soldats au round prochain comme ça. Je sais pas comment ça marche. Je m'occupe d'eux, vas-y. Allez-y. C'est vraiment sympa comme mode de jeu, franchement. Après, je pense qu'on a un petit peu des rounds avec. Je sais pas ce qu'il y a avec les soldats. On va revenir les gars, on revient, on revient. Donc là on va... D'accord, il y a encore 49 zombies. On a tué un peu plus de 5 gros. Ils arrivent pour là, j'ai entendu. Allez-y. Il reste encore 41, allez c'est parti. Ah ils sont assez lents, c'est pour ça aussi. Ah il est là-bas, là-bas, là-bas. Ça va, on y tourne. C'est énorme quand même, moi j'aime bien.
personnellement, je trouve ça assez amusant. Oui, tout le monde, je crois. Non, il en reste 9. Ok, 9. Ouais. Je sais pas combien on a fait. Ah, on a fait 52 mecs tués. C'est bon, on les achève. Il reste 1. Il est où? Ah non, ils reviennent, d'accord, ok, c'est round 2. Ok, j'avais pas vu. Donc ils arrivent, ils sont... Ah, running. Ah non, remaining. C'est quoi remaining? C'est zombie remet ou c'est zombie... les autres zombies? C'est plus rapide. Ouais, donc j'avais raison, en gros, vous avez votre... D'accord, vous avez votre pack de vie. Je sais pas, il y a un petit parachute qui est arrivé là, tranquille. Si c'est trop long, je comprends plusieurs parties, hein, les rounds. Donc ce sera sur plusieurs épisodes, je pense. C'est trop long. Je verrai bien. On va attendre ces zombies, ils spawn. 237, ouais. Et on est 7 soldats, donc du coup ils nous ont rajouté 2. On était 5. Ok, c'est cool. Ils sont où? 3, 4, 5, 6. Et nous, 7ème. Ah mais il y en a 2 mecs derrière là. Oh, elle est où les gars? Non, c'est des zombies normaux. Il y a un pack de vie là-bas, mais ne nous intéresse pas. On va le garder prochainement. Donc, je pense que je ferai peut-être pas plusieurs épisodes, je pense que je ferai des coupures en fait. Ouais, je pense que je ferai ça. C'est amusant de faire ça. Et j'essaie d'aller pour round sans mourir le plus loin possible. Pour protéger mes unités parce que sinon je sens qu'on va galérer après. Alors j'aime bien, il traverse les murs. Ah ouais, il traverse bien les murs en fait. Ouais! Hey les gars! Ouais! Évident de filmer et jouer parce que vous voyez j'ai l'écran en fait du bureau qui se met en fait derrière et du coup là je sais pas pourquoi le jeu il prend pas totalement le truc, du coup ça clique des fois en dehors du cadre de tir et du coup ça m'arrête de tirer, c'est ça qui m'a fait perdre des vies. Ah, tire à côté. Ça serait bien qu'on ait des grenades, des choses comme ça. Ouh, 74, il me semble. Faut que vous avez eu. Il y en a qui arrive là. Il y en a qui arrive là-bas, je les vois. À ma droite. Dans l'angle. Je cherche ceux-là. Il y a un freeze de la part du jeu. Un jeu qui est toujours en accès anticipé, hein, je vous rappelle. Donc c'est normal. Il y a des freeze, hein, de temps en temps. Ok. Il nous reste airdrop expire. Ah d'accord. Donc les machins expirent. Alors attendez, je sais déjà récupérer. Ah non, d'accord, je crois qu'il a dégagé. On l'a pu. Ce sang qui est bugué. On a encore 39 zombies, clairement, on s'en fait une belle paire.
Ah non, il respawn. Ah ouais, donc non, c'est une autre vague carrément là. Ah, ok, ils ont enchaîné la vague carrément. On a dû tous les tuer, je pense. Je sais rien ce qui s'est passé. Ouah, c'est des zombies running. La ligue pour ceux-là. Eh mec, on se vient. Regarde. Ces zombies qui courent, il y en a 300. Voilà, ceux-là, ça va être compliqué parce que ceux-là, ils sont super chiants. Il y en a une telle là-bas, mais. Ouais, ils sont super résistants par contre. J'ai essayé de les enchaîner ceux là-bas. Oh putain. J'en ai eu. Ils sont assez violents ceux-là. Hein. On va pas se cacher que. Moi c'est un peu plus compliqué comme je vous l'ai dit, c'est la souris elle va. C'est mieux de jouer en plein écran clairement. Parce que le jeu il prend pas, même quand vous jouez en fenêtre, si vous jouez clairement prime c'est ça. Moi je suis pas le coup de mettre en fenêtre pour pouvoir filmer. Ah merde, on va se faire avoir là. Oh les gars, cassez-vous. Wow, on est dans l'invasion, il y a des anciens et des nouveaux, il y a tout. Aidez-moi les gars. Ok, non, ils sont tous morts. Oh, on est mort. Eh bien écoutez, je sais pas combien de temps ça aura fait. En tout cas, on a fait 185 kills avec une mort. C'est pas trop mal, on peut dire que c'est pas trop mal. Bon, on était à la round 3, on peut aller beaucoup mieux, bien sûr. Bon voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.